Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. C'est le premier faux sport qui rentre la caille. Sélection nationale des moins de 20 ans nous a empoché seul billet qualificatif dans le groupe EA. Duguin Sazon, c'est le 8e joueur qui a pire bien touché dans le club gotelier dans le pays de la Turquie. Prime Info Plus, là où l'information prime. Sélection nationale des moins de 20 ans nous a hier fait un match nul contre l'équipe portoricaine et décoché seul billet qualificatif qui a gagné. Dans le groupe, ça, un match qui n'a pas bien commencé du tout pour l'équipe nationale noire, puisqu'à la 39e minute de jeu, Haïti a encaissé un goal qui a arrivé par Mendes, mais nous avons assez de ressources pour qu'à la 71e minute de jeu, Belmar Joseph a égalisé pour sélection pour te remettre pendule à l'heure et du coup racheter le point du match nul. Du coup, Haïti, c'est bien rapidement là, remporté groupe EA, mesdames, messieurs. Haïti qualifié pour dernière phase Coupe du Monde qui t'a de fait dans le pays Chili en été 2025. Dernière phase éliminatoire pour le faire du côté du Mexique. Sorti 19 juillet pour y faire 4 août Cap Vinila. 12 équipes CONCACAF pour aller en jeu là et pour aller croiser le fer et seulement 4 billets disponibles. Mesdames, messieurs. Alors, rapidement, nous parler Baou Ville qui parle en question. Pour dernière phase ça qui va le faire dans le pays Mexique, d'abord gagner ville Sayo qui c'est Irapuato et puis Celaya, c'est deux zones Sayo tirage au sort dernière phase Sayo pour le gain pour le faire dans le mois avril Cap Vinila. Et puis Duguin Sazon a fait causer dans le pays la Turquie. Duguin Sazon là, eh ben tout le monde connaît à clair combien comme il soit percevoir dans le pays la Turquie, mesdames, messieurs. Nazon, c'est 750 000 euros par année. 8e joueur qui a pi bien touché en dedans club ça. En détail, monsieur touché Sambral Zoula, 62 500 euros par mois, 14 423 euros par semaine, 2054 euros par jour et par heure. Duguin Sazon, c'est 85,58 euros. Il faut le faire. Nazon là qui a fait causer, monsieur a fait cob. Dans le pays, la Turquie, nous connaissons Nazon là, qui était lui-même transité vers une ligue qui est plus importante par rapport à la Parvaliga qui était dans le pays Bulgarie. Donc voilà, sportivement, choix est très bon. Mais là, nous rendons compte qu'économiquement également, choix est vraiment extraordinaire. Nous parlons rapidement de la nouvelle sur Erling Haaland, qui lui-même dynamité équipe Luton Town dans un match que Manchester City crasé 6 goals à 2 équipes là. Eh bien, Erling Haaland profite pour manquer 5 goals, à noter 4 passes décisives de Kevin De Bruyne. Eh bien, après 5 goals, ça y est, Haaland vini, joueur qui manquait là 79 goals sous couleur équipe Manchester City pour 83 matchs depuis là que tout ça a été arrivé en été 2022. C'est la campagne, restez connecté page pour là, à très bientôt.